à Bombay, famille mieux. Je dis à nous parler de Haïti qui vient tourner une république d'entreprise, de Haïti qui en 2004, le président Gérald Latortue est arrivé vendre par une grosse compagnie américaine qui est le Pravus International. C'est chargé. Les amis m'ont dit non pas tant que si nous ne prêtons pas attention de ce qui passe en Haïti, nous risquons de pas gagner un pays qui est Haïti encore. Attendez. Haïti, c'est un pays que M. le politicien haïtien Yoshita vend morceau par morceau. D'après ça, nous connaît toute traite, toute patrie proche, commencé sous François Duvalier, passé sous Jean-Claude, Gérard Latortue, René Préval, Américain présumé haïtien, Michel Martelly, que Mme Bill Clinton te fait imposer comme président d'Haïti, hein, 23 cas dans le pays pour plein proche et proche famille. Attendez-vous. En 1970, François Duvalier a signé un contrat pour 99 ans avec un Américain qui est le Don Pearson pour monsieur TK développer et créer job dans la pointe ouest de l'île de la Tortue. Détails sur le contrat ça a été reporté dans le Moniteur 5 avril 1971. Dans le même temps, ça a tout, François Duvalier a signé un contrat avec Carnival Cruise pour l'île à Vache. Après quelques années, Barayo vint tourner en magouille. Et puis pas de jam te gagne aucun développement qui t'est arrivé fait dans l'île de la Tortue à qui la vache. En attendant pour que transaction ça a été signé, petit Don Pearson, Gray Pearson, déclarait que compagnie Don Pearson, Dupont Caribbean Inc., t'a payé François Duvalier 21 millions de dollars US et que Kounia, Haïti doit pas parler 1 milliard de dollars US pour être comme papa te bail François Duvalier. En 1971, Jean-Claude Duvalier est venu renégocier le contrat à 99 ans pour 25 ans. Mais quoi que le contrat a été renégocié pour 25 ans, c'est le contrat à 99 ans que François Duvalier était signé, qui toujours était en vigueur. Donc Haïti marré avec le contrat ça. En 1986, pour que Jean-Claude Duvalier ait quitté le pays à 50 millions de dollars que lui était volé dans la caisse de l'État, il était obligé de venir signer un contrat de zéro restriction avec Royal Caribbean. Puis on va au contrôle de la Badie, une île qui tout près de Ras Beach, bonne zone cap haïtien. Gouvernement haïtien, peuple haïtien, pas fait une goutte de transaction ça. Kounya la Badie vient tourner une île privée qui pas gain aucun redevance avec gouvernement haïtien et avec habitants propriétaires haïtiens la Badie. En 1998, parce que petit Don Pearson, Gray Pearson, t'es assis en Haïti pour 1 milliard de dollars, pour peut-être 21 millions de dollars que papa te bail François Duvalier en 1970 pour contrat île de la Tortue. Hein? Président René Préval te voyait Leslie Voltaire à renégocier contrat pour île de la Tortue hein, avec monsieur en échange pour 50 millions de dollars de dons de provision alimentaire. En effet, quoi que nous connaissons, que le contrat 99 ans que François Duvalier était signé a toujours été en effet, après ça, nous venons à constater que Préval te recevoir un paquet de riz à clotte manger que l'idée vient à distribuer par le peuple. Donc nous déduisons que l'île de la Tortue vend pour 21 millions de dollars avec 2-3 sacs de riz pour 99 ans. En 2004, le président Gérald Latortue vient signer tout le territoire d'Haïti en bas une compagnie américaine qui est le Pravus International pour 17,8 milliards de dollars. Pas oublier que la tortue, c'est mon Bill Clinton yo, qui t'a imposé comme président d'Haïti. Donc, n'a gagné une idée qui boit que comme la vente pays ça a passé. D'après un rapport qui est publié dans les médias américains, Pravus International a acheté tout pays d'Haïti en net, y compris infrastructure et biens qui en bas sous sol lire. Contrat spécifié que Haïti fait pour remettre indépendance libre à Pravus International en échange pour aide monétaire et industrielle. En plus de ça, pour avoir stipulé dans le contrat que personne dans le gouvernement haïtien n'a pas le droit pour y faire aucune tentative pour annuler le contrat ça. Pour le moment, Haïti n'est pas une république souveraine encore, c'est pour Pravus International qui est seul propriétaire de tout Haïti qui fait que c'est eux qui chef de facto pays. Pour Pravus International paye Gérald Latortue 55 millions de dollars US. Et puis Haïti avec peuple haïtien n'a pas joué une pièce dans la transaction. Cependant, nous avons un doute. Détails sur l'affaire achat d'Haïti par Pravus International n'a pas fini clair net. Parce qu'en 2013, une organisation qui est le World Vision a venu acheter la vache dans le gouvernement matériel pour 15 millions de dollars US sous prétexte qu'il pourrait développer l'île. L'organisation, yo fait la police vin bat moun yo, krasé kay yo,
jardin yo, touye bétail yo, touye yo pour yo te ka volé te habitant yo by World Vision. Après ça nèg bateli yo foure 15 millions de dollars ça dans mouda poche yo sans que yo pa récompensé habitant il a vache yo. Peu de temps après, voilà yo vinn virer jè yo pour yo vann île de la Gonave comme si que c'est bien maman yo mouri qui était pour yo. Donc le 7 janvier 2016, pour te ka vann île de la Gonave là, gouvernement Michel Martelly a te vinn publier un décret qui relè Gonave Island Financial Center pour mettre île de la Gonave là sur rail de développement. Martelly pas jamais te gen autorité pour li vann en ken parti dans pays an. Mais nèg sa yo vin si tellement diminuer intégrité territoire national là que yo pensé yo ka fè ça yo vle sous terre des salines. Nous tande de kaka. En résumé, contrat que gouvernement Martelly akolit li aussi yon pour vendre la Gonave là, pas du tout ni dans intérêt peuple haïtien ni pour Haïti. D'après contrat la Gonave ça, toute richesse que nèg yo ta vinn joindre dans exploration île là, c'est pour yo que la prêté. Et puis pas gagne rien pour partager avec peuple qui réside dans l'île. N'a demandé mes amis, qui côté nèg ça prend légitimité à pouvoir pour chita à faire payer en abus ça comme ça. Côté parlementaire, côté la justice, côté la police, est-ce que c'est haïtien yo? Côté conscience yo. N'ta souhaité que rapport que nèg yo dit qui vend Haïti ba pour avis international là pas vrai. Parce que si ça t'a fait vendeur de patrie qui est responsable calamité ça, t'as mérité puis t'as déclaré au personnel non grata, fouqué, fermé au droit dans le pénitencier national et puis perdu clair. En réalité, ça n'est que fait pays, hein. Si c'est à vrai, c'est à un bagage qui prédictement égoïste et vraiment destructif pour la nation. Hein. C'est vendeur de patrie que n'est que c'est très curieux. Passeport n'est que ça, t'as supposé révoquer à tout passeport familial que c'est africain, dominicain, italien, américain, canadien, français, etc. Chassez de pays, hein, pour yon pas jamais vin mette pied yon à poser droit long yon sous bien qui gagne dans le pays des Salines nan encore. Enfin, c'est peut-être ça que population haïtienne fait pour insister provocativement et avec puissance pour renégocier ou chirer tout contrat qui fait tout temps d'exil. Pour peuple a campé ferme contre le décret 9 août et 25 octobre 2015, Matelian. Mes amis, trop gagotte dans le pays, trop volé, trop traite, trop drug dealer, trop vendeur de patrie. Nous besoin de réforme. Nous besoin de suspendre maltraiter le pays avec peuple. Nous besoin d'un autre système de gouvernement qui est dans l'intérêt Haïti avec peuple haïtien. Le temps pour le pays a changé. Nous foutons bouquet avec magouille hypocrite ça yo. Non seulement yo vann conscience yo vann volonté ak liberté mas peuple haïtien simplement pour yo ka enrichi tête yo ak famille yo. C'est pour nous mande réforme ak parlementaire yo ki pa semblé ap travail nan intérêt peuple ak pays. Nèg sa yo ta dwe débarrasser tête yo de drug dealer criminel yo ki caché nan parlement et puis ka pran avantage de immunité yo joine nan système de justice criminel lan. Donc c'est ça que fait m'ap di nou et m'ap répéter nou encore. C'est pour nous verger nous. Nous vraiment pas raconter sur personne que sous tête nous avec drapeau nous seulement. On nous suspend mourir dans démonstration bidon. Nous tous devons serrer les épaules nous en bas drapeau nous. Mettez tête nous ensemble pour nous camper ferme contre dominance sociale et économique colonialiste qui pas dans intérêt nous. Et puis qui a créé division entre haïtiens pour qu'à dominer, déstabiliser, exploiter, piller et détruire nous. C'est pour nous demander puis changer constitution. Pour nous avoir une liberté avec justice, éducation et pour nous avoir un contrôle de propre destinée nous avec destinée pays nous. Changer constitution 29 mars 1987 là pour que Haïti ka revisé, réclamé et annulé tout contrat que François Duvalier, Gérard Latortue, Michel Martelly et Claude Drug Dealer Crackhead yo siyen yo. Réclamer pays à nan men bon hypocrite konze volet traitement di assassin égoïste arrogant vendeur de patrie drug dealer crackhead malfaiteur criminel yo. Haïti c'est pour haïtien. Haïti c'est pour haïtien. Levez le drapeau nous. Levez le drapeau nous. Abat vendeur de patrie yo. Liberté ou la mort, vive Haïti libre.